Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui du lourd avec ce tout nouvel event Mur de Flèche. Bien évidemment, on va donc parler de formation de KVK et bien plus encore dans cette vidéo. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description de toutes les vidéos pour rejoindre le Discord de la chaîne. Et si vous avez la flemme d'aller en description, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Aucune excuse pour ne pas être sur le Discord. Les amis, avant de parler mur de flèche, déjà, n'oubliez pas, c'est le dernier jour de la roue de la chance avec Jeanne d'Arc, 16h42, tout rond à présent. C'est aujourd'hui qu'il faut atteindre les 10 tours. Est-ce que je vais avoir de la chance et avoir la cotation 8 têtes? Alors déjà, sur mon tour gratuit, j'ai une sculpture, ça part plutôt bien. Partons sur le tour à 50%. Allez, redonne-moi une sculpture ou 8 sculptures. Soyons fous, 8 sculptures. Non, il me donne un accélérateur éclaté. Et on va donc aller chercher mes 5 tours à présent. Qu'est-ce que je vais avoir? Parce qu'il faut aller au palier de 10. Hein. Qu'est-ce que je vais avoir? Je me rapprochais des 300 000, mais je repars plus loin. Une sculpture, c'est déjà pas mal. Il m'en faudra un petit peu plus pour que ce soit rentable. Il en faudrait bien plus pour que ce soit rentable, en fait. Et non, je n'aurai pas de chance. J'aurai un tirage éclaté, une seule sculpture. Au final, 2 sculptures pour 4000 gemmes, ça fait 2000 gemmes la sculpture, c'est du vol. Heureusement, j'ai la compensation avec les 5 sculptures à présent qui doit me permettre de pouvoir mettre un petit niveau à Jeanne d'Arc, un petit niveau à Jeanne d'Arc ou pas, un petit niveau à Jeanne d'Arc ou pas. Non, ah ouais, parce que je suis en niveau d'étoile, c'est pour ça, elle me saoule à me remettre toujours en niveau d'étoile. Normalement, Jeanne d'Arc avec les 5 doit pouvoir prendre un niveau ou pas. Eh bien non, je ne peux pas pour le moment. Parlons event, les amis, à présent avec le mur de flèche. Alors, souvenez-vous, avant d'aller voir les règles et d'aller voir cet event, il vient tout juste de pop sur notre serveur. Je vous l'ai dit hier hein, qu'il allait pop aujourd'hui puisqu'il est en train de pop partout. C'est déjà un event qui dure 7 jours. Donc, n'hésitez pas à le faire. Il y a quand même des sculptures gratos à aller chercher. Ça serait dommage de passer à côté. Rappelez-vous ce que Lilith nous avait dit. Donc, je retourne sur l'annonce de la mise à jour 1.0.63, nouvel événement, mur de flèche. Point 1, l'événement comporte 6 points de contrôle, 3 objectifs, blablabla. Point 2, sur la carte cet événement, les troupes peuvent se bloquer entre elles. Très bien. Point 3, dans cet événement, un certain nombre de commandants d'essai à utiliser au combat vous seront fournis. Ok. Point 4, dans cet événement, vous pourrez tirer parti des effets de certaines formations. Bla bla bla. Pour participer à l'event mur de flèche, il faut mettre à jour le jeu. C'est top les gars de nous mettre cet event pour nous entraîner à utiliser les formations. Mais ce qui sera encore plus top, c'est nous donner accès hein, aux formations. Puisque si vous le voyez, on n'a pas encore accès aux formations. Je n'ai même pas encore accès au bâtiment. Alors l'idéal aurait quand même été de lancer les deux en même temps. Car quitte à s'entraîner sur l'event, tout de suite après, on peut utiliser les formations. Donc, au regard du timing de 7 jours, hein, on peut penser qu'à la fin de ce timing, les formations seront disponibles pour tout le monde sans nouveau patch, sans nouveau down d'une demi-heure ou d'une heure comme Lilith nous fait parfois. On va bien voir, on va foncer tout de suite. Je n'ai pas encore vu hein, Steven, je ne sais pas ce qu'il vaut. Je vais le découvrir avec vous. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un mur de flèche, une attaque barbare brutale, blablabla, on s'en fout Kevin, dans cette campagne, vous affrontez... Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu d'ailleurs Kevina, je pense qu'elle est malade. Dans cette campagne, vous affronterez de nouveaux adversaires, doués aussi bien pour les attaques longue portée que pour le combat rapproché. Les corps de guerre vont retentir, battez-vous, blablabla. Dans cet événement, utilisez les commandants d'effets suivants. Alors bon, ils sont totalement éclatés, excepté Guan Yu et on a Wafura pour la distance. Comment jouer? Cet événement comporte 6 points de contrôle. Il y aura 3 objectifs, j'arrivais même plus à lire. Il y aura 3 objectifs dans chaque point de contrôle de l'essai. 1. Tous les ennemis sont éliminés. 2. Tous les commandants survivent. Et 3. Toutes les réserves sont protégées. Chaque objectif rempli vous fera gagner une étoile. Plus vous gagnez d'étoiles, plus vous débloquez de récompenses. Classique, hein, exactement comme on a dans les autres events. Les ennemis attaqueront la réserve depuis plusieurs directions. Il sera essentiel de choisir le bon commandant sur la carte pour affronter chaque type d'ennemi.
Dans cet événement, le système fournit de commandants d'essai experts de la formation en V. Les troupes utilisant les formations en V peuvent protéger des fortifications longue portée et passent en mode attaque à distance, ce qui leur permet d'effectuer des attaques longue portée. Là, il va falloir tester, hein. La formation en V est débloquée quand un royaume entre en saison de conquête. Bah, c'est pas vrai parce qu'on y est et on n'a pas la formation en V, on n'a rien du tout d'ailleurs. Sur la carte de cet événement, nos troupes et les troupes ennemies peuvent se bloquer entre elles, utiliser cette possibilité à bon escient pour conserver, pour renverser le cours de la bataille. Restriction de participation, vous ne pouvez pas commencer un nouveau défi dans les 10 dernières minutes de l'événement. Très bien, classique, on est bon, on va pouvoir y aller. Alors, on y va, pour le moment, on n'a que le premier point de contrôle. Le but est d'atteindre le niveau 16 étoiles. Niveau 4 étoiles, on aura 2 étoiles et une clé en or. Niveau 8, 3 étoiles, 2 clés en or. Niveau 12, 5 étoiles et 3 clés de cristal. Ils ont trouvé ça trop généreux, les clés en or. Et dernier niveau, 2 sculptures. Aperçu des commandants d'essai. Si je clique dessus, bon, il me le met là. Ah, je peux choisir la formation. J'ai Guan et j'ai Kaoka. Ouh, Guan, ils l'ont bien équipé, hein, les mecs. Ils n'ont pas rigolé pour le coup. Pour le stuff, hein, bot robuste de l'Empire Éternel. Ouais, il est bien, il est propre, le Guan. Kaoka, il a un petit set un petit peu éclaté, mais c'est pas mal non plus. Et au niveau de la formation, est-ce que je peux switcher la formation? Déjà, est-ce que je peux faire quelque chose? Non, je ne peux rien faire. Je ne peux pas changer la formation. J'ai pas le choix. Et il est même pas expertisé. Pourquoi il est pas expertisé? Est-ce que je peux au moins changer les talents? Non, en fait, les commandants, ils le donnent, mais on ne peut rien faire avec. C'est pas ouf, du coup. Mais c'est pas grave. Est-ce qu'au moins, ils sont même pas dernier niveau. Ils sont niveau 50, les mecs. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas l'expertise. Bon, ils nous donnent des commandants quand même éclatés pour ce point de contrôle numéro 1. Au niveau des règles, rien de particulier en plus, donc on peut y aller, on peut combattre, on peut tester. J'imagine, prêt, on va avoir commencé direct. Il y a un petit mode histoire, j'allais le dire, gouverneur, on a reçu un appel à l'aide d'un Vizal proche. Ok, c'est super, des voleurs et des bandits. C'est pour ça qu'on a que Kao et Guan, puisque c'est eux qui interviennent seulement dans le mode histoire. Tac, allez, c'est super, on va devoir. Alors donc on a Kao à ce stade-là. Est-ce que je peux changer de formation? Est-ce que je peux faire quelque chose? Alors sur le premier, il m'explique un peu comment jouer, c'est toujours bien. Il me dit comment y aller, c'est super. Il me dit de retourner chez moi, allez vas-y. Il me dit de retourner chez moi, hop je retourne. Est-ce que je peux faire quelque chose sur cette structure-là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il veut que je recule. Je recule, il n'y a pas de problème. Ils approchent par le flanc, ok. Bon, cette première mission, on a vraiment. D'ailleurs, regardez, c'est de la cavalerie. Il me dit, vas-y, viens te mettre là, c'est super. Je peux pas faire grand-chose hein. Quand je clique dessus. Regardez, je ne peux pas la mettre en mode blocage. Je ne peux pas la mettre en mode tour à distance. Vous allez me dire, ouais, c'est normal, il est en formation. Mais j'ai vraiment peu de choses à ma disposition. Et d'ailleurs, je n'ai qu'un commandant. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Éliminer tous les ennemis. C'est les objectifs. On a Guan, accordez-moi l'honneur de la garde principale. Je t'accorde ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais juste bats-toi. Toi, est-ce que tu peux changer de mode? Est-ce que je peux faire quelque chose avec lui? Non. À part le mettre sur le mur, je peux pas faire grand-chose. Donc il faut que lui reste sur cette porte-là. Bon, pour le moment, on est sur le premier mode. C'est plutôt facile. Il faut que j'avance. Est-ce qu'il bloque automatiquement les troupes ou pas? C'est ça ma grosse question. Ou est-ce qu'on doit passer en mode blocage pour que ça bloque? En tout cas, dès que les troupes arrivent, ce qui est pratique, c'est que j'ai rien à faire. Elles se battent tout seules. En fait, là, pour le moment, hein, je pose les deux troupes devant les portes et puis j'attends. J'ai rien d'autre à faire. À un moment, je pense qu'il va falloir que je passe de ce flanc-là droit au centre. Même pas. Vous voyez, il n'y a rien à faire. J'ai eu le premier objectif, première victoire. Tout a été réussi. Bon. J'avoue, celui-là, il est quand même pas mal éclaté hein, comme petit premier niveau. C'est 3 étoiles qui sont offertes par Lilith. On va aller au point de niveau 2 et est-ce que j'ai les mêmes commandants? Non, déjà, j'ai Kao et j'ai Wafura, les deux toujours niveau 50. Là, Wafura, j'ai même pas de set hein, pour lui. On peut même pas lui mettre d'équipement. À croire que lui il se trimballe en slip, donc on va aller voir ce que vaut ce deuxième niveau. Mais le premier niveau il sert à rien. D'un autre côté, il rapporte pas de récompense puisque le premier coffre est à présent au. Alors lui il va où? Lui il va aller là, donc je vais aller le mettre là tranquillement. Voilà, Wafura. Je peux ériger des tours de flèche, ouais, ça je le sais. Donc je vais le mettre là. Aidez-moi à faire barrage. Remarque, je vais le mettre là et je vais le mettre en tour de flèche. Hein. Tout simplement, on le met là et on te met en tour de flèche. Et tout ce qui va arriver, tu vas le déboîter et puis ça va être réglé. D'autre côté, on a Kao qui est là. Vas-y, bats-toi. Est-ce que je fais mur avec lui au passage? Ouais, je vais aller faire mur avec lui au passage. Barrage avec lui au passage. Tac, tac, flic-flac.
C'est bon, hop là, et tu peux le shooter et le tuer ou pas? Ah là, il l'a tué. De l'autre côté, est-ce que... Ouais, bon, c'est pas plus tendu. J'ai juste plus galéré à mettre en place ma tour. J'aurais dû sortir par le centre, je sais pas pourquoi. J'ai fait le grand tour comme ça avec Wafura, comme un gogol, alors que je l'aurais mis juste là. C'était bon. Bon, le deuxième niveau, ça a l'air d'être aussi une plaisanterie. Ils vont me dire, oui, c'est grâce à la formation en V. Elle est vraiment puissante. Pour le moment, faut bien constater. Oh, regardez, lui, il est passé. Pour le moment, faut bien constater que. Oh, mais il est passé, mais pas longtemps. C'est quand même les deux premiers niveaux là, ils ont l'air de servir à rien. On a l'indication en haut, vague numéro 3. La seule chose qui manque, c'est un petit timer. Là, il devrait rajouter un petit timer sur l'event hein, pour qu'on sache plus ou moins ou qu'ils indiquent le nombre de troupes qu'il reste à battre. Hein, parce que. Là, on attend un petit peu sans rien faire. Les deux premiers niveaux, ils sont cadeaux, ils sont vraiment pour tout le monde. Là, les amis, si vous n'avez pas tous 6 flèches, 6 étoiles plutôt que 6 flèches, c'est quand même, vous êtes bien éclatés. Regardons le tour d'après. Cette fois, ça commence à être un petit peu plus intéressant. Formation en carré, ah, ça c'est bien. Donc, avec notre ami Martel, réduit de 2% tous les dégâts subis par les troupes, aucune pièce d'attirail, ok. Donc, ça juste ça réduit. Celle-là, la formation en V, on la connaît. Et la formation U aussi, on vient de la voir. On va voir si, avec 3 commandants, ça devient tout de suite plus chaud. De mon point de vue, ah oui, j'ai pas tout de suite en plus mon ami Guan. Je pense qu'il faut aller mettre tout de suite ici la Wafura avec sa tour et qui se mette en position. C'est ce qui va aller le plus vite. Allez, mettons en position rapidement. Voilà, de l'autre côté. Est-ce qu'il va être capable de le tuer avant Clôtirante ou est-ce qu'il va me prendre la tête et il va falloir que j'aille. Ah, il... ah non, c'est bon. J'ai la troupe qui bloque. On est plutôt bien. Donc lui, il se met là. La troupe en carré de Martel se met là. Et normalement, on devrait être bon. Là, franchement, il faudrait aussi. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas en commentaire à mettre vos avis sur ce qu'il faudrait rajouter. Mais là, en plus, ça serait quand même intéressant si on avait la possibilité d'accélérer le timer. Parce que c'est quand même un petit peu long, il faut bien l'avouer. Est-ce que je vais défendre ici, vu que l'autre ne vient pas du tout? Allez, on va aller l'aider à défendre. Parce que je ne sais pas pourquoi les troupes ne font même pas l'effort de venir se friter. Ouh là 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 là. Là, en revanche, je fais le malin, mais qui fait le malin tombe dans le ravin. Je pense que ça va passer. Ouais, ça va passer de l'autre côté. Il faut que j'aille là-bas. Il faut que j'aille là-bas. Il faut que j'aille là-bas. Regardez, la tour se fait déboîter. Pourquoi lui n'attaque pas là-bas? C'est ça que je comprends pas. Voilà. Pourquoi tu fais pas ton job en fait? Il l'attaque, mais la troupe descend quand même plutôt. Bon, c'est bon. La première va être tuée. La deuxième va être flinguée aussi. Pourquoi tu la tapes pas? Pourquoi t'attendais? Là, ça devient plus chaud en fait. Hein. Je fais un peu n'importe quoi. Faut bien être d'accord. Est-ce que vous arrivez? L'autre, regardez, ça fume là-bas. Hey, je suis pas mal éclaté sur celui-là. Le problème, c'est que les troupes n'attaquent pas de manière automatique quand il y a un ennemi et qu'elles sont à proximité immédiate. Est-ce qu'il va réussir là-bas à me faire la misère ou pas? Est-ce qu'il va réussir? Bon, attendez, il va falloir que j'y aille. Parce que est-ce que toi, je peux te dire d'attaquer lui? Ouais, je peux te dire d'attaquer lui. Voilà, je peux te dire de l'attaquer. Je savais pas que je pouvais faire ça. Au moins, j'aurais appris que je pouvais dire à la tour, une fois qu'elle est en place, d'attaquer qui je veux. Est-ce que j'ai les 3 étoiles quand même? Ouais, j'ai les 3 étoiles, mais vous avez vu, ça commence à être plus dur. Bon, faut dire que j'ai été particulièrement mauvais. Un petit calcul rapide, hein. Il y a 6 commandants, on doit aller jusqu'au niveau 16, donc très simple, il n'y a même pas besoin d'avoir 3 étoiles pour tout le monde, puisque 3 étoiles pour tout le monde, ça fait 3 fois 6, ça fait 18. Merci la boss des maths. On va voir le niveau d'après, le niveau avec Martel, cette fois avec Richard et avec Walfoura. On va voir Walfoura, n'importe quoi. Avec Wafoura, il n'y a pas de L si je dis pas de bêtises. Voilà, je vérifiais au passage et on y va. Et cette fois, on n'est même plus sur la même map, je ne connais pas cette map. Alors, ça peut arriver de là, ça peut arriver. Donc, Wafura, ce que je vais faire, je vais le mettre ici, tout de suite, hein, en tour. Et peut-être pas assez loin en mettant ici. Lui, on va le mettre ici. Si je le mets, et ce qu'il faudrait, c'est qu'il soit une bonne portée pour pouvoir shooter tout. Ouais, donc là, il l'est. Donc, ce qu'on va faire, on va le transformer en tour ici. Là, on a une bonne portée, il est bien. Et je pense qu'on est plutôt bien ici. Est-ce qu'on n'est pas même trop loin? Non, c'est bon, on est plutôt bien. Ça arrive de partout en fait. Hein. Donc lui, je vais mettre Richard là, je vais mettre Martel ici pour que personne passe. Et normalement, là, cette carte,
Ça sent quand même le easy peasy. Alors on va voir si je me trompe ou pas. Est-ce que je ferais pas mieux de rapprocher un petit peu les troupes? Parce que sinon là on est en limite de shoot et je me fais shooter avant. Voilà, ce qu'on va faire c'est que je vais me mettre là. Ah, ils me tirent à distance les coquins. Ah, donc quand même, il me tire à distance, donc ça va m'obliger. Est-ce que lui peut l'avoir? Ça va peut-être m'obliger à déplacer ma tourelle, parce que la tourelle ne peut toucher que d'un côté. Si je la descends un petit peu là, voilà, la tourelle ne touche que d'un côté. C'est peut-être ça la seule chose à surveiller là. Parce que si ma troupe, la troupe Richard, regardez, lui il est solide, mais de l'autre côté au nord, il s'est un peu fait péter la bouche, enfin, il est un petit peu perdu de vie, il est plus qu'à 188 000, faut que je surveille tout de suite, regardez, il y a des tourelles, faut les surveiller tout de suite, c'est elles tout de suite qu'il faut aller tabasser, il faudrait peut-être, hein, si je mettais la Walfura juste ici, vous voyez mon curseur, si je le mettais ici, ça serait peut-être plus simple pour le coup. Est-ce que, vous voyez, Richard, ce qui est étonnant, Martel, pardon, n'attaque pas, je vais les faire reculer, regardez. Martel n'attaque pas la tourelle automatiquement, ça c'est débile. Hein. Martel n'attaque pas la tourelle alors qu'elle est en train de l'attaquer. Donc c'est complètement stupide, lui faut pas le laisser se mettre en place à mon avis. Voilà, je vais aller le taper, on est bon. Là pour le moment je suis sur la troisième vague. Bon, le niveau d'avant où j'ai fait n'importe quoi, je me suis laissé surprendre. Là c'était une formalité, mais vous avez remarqué hein. Martel il se faisait attaquer à distance et il n'allait pas attaquer la tour. Donc quand même là je pense que Lilith il y a un petit patch à faire. Kevin si tu nous écoutes, t'as un petit patch à faire nécessaire. Cet event, reconnaissons-le les amis, c'est quand même des sculptures gratos offertes hein, pour tout le monde. J'imagine la carte c'est une nouvelle fois la même. Oui, j'allais dire non mais si, la carte c'est une nouvelle fois la même. Donc du coup, je vais mettre Walfura, je vais le mettre au même endroit. Toi t'es pas Walfura. Walfura, je vais le mettre au même endroit. Peut-être même, allez, là parce qu'on va gagner un peu. KO, je vais le mettre au nord avec Richard. Et en bas, là du coup, je vais mettre Jakey, il me reste qui, 1, 2. Guan qui est là, voilà, j'arrivais pas à le cibler. Et j'ai Guan qui est ici. Là, normalement, je couvre pas bien. Hein. Je pense que je serais mieux un petit peu plus haut. Mais on va dire qu'on a deux troupes au nord et qu'on a qu'une troupe au sud. Du coup, il faut mettre Martel en premier. Est-ce qu'on les laisse rentrer ou pas? Parce que la map, elle arrive. Vous voyez, je peux pas aller trop par là. Donc, je vais peut-être les laisser rentrer un petit peu plus. Là, pour le coup, allez, reculons. Reculons avec Richard. Ça les laisse avancer un petit peu. Ah, j'avais pas vu. Et regardez. Je n'avais pas vu la malinerie là. Bah voilà, là je me suis fait avoir. Je n'avais pas vu qu'il y avait une réserve de village juste à l'extérieur. Du coup, j'ai failli me faire avoir. Pour le coup, c'est pour ça que j'ai une troupe en plus. C'est celle-là qui doit aller tout simplement défendre ce spot-là. Du coup, est-ce que j'irai pas mettre KO? Je vais aller mettre KO ici. Je vais garder cette troupe ici. Voyez, je vais venir. Je vais la mettre ici, la troupe, voilà, comme ça. Et je vais garder KO de l'autre côté, ça se bat. Est-ce que KO, tu peux aller taper les... Ah non, il ne peut pas passer, malheureusement. KO ne peut pas passer, donc du coup, ça va être à la tour de flèche d'essayer de shooter et de tenir en attendant que mon KO puisse sortir. Là, ils m'ont quand même bien carotte hein, avec leur technique, parce que je ne peux pas sortir de l'autre côté. Lui, il attend ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir lui en attendant pour pas perdre si jamais... Je me fais encore attaquer, mais là l'histoire du blocage, je me suis bien fait carotte hein, quand même dans l'histoire, mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de troupes. Du coup, je vais aller aider. Ouais, on est en vague 3 sur 3. Il n'y a plus de troupes, il reste plus que le boss. Mais faites bien attention les amis quand vous ferez celui-là, de bien voir qu'ici il y a une réserve de village à l'extérieur. Bref, franchement, ce nouvel event. Bon, il est original, il est sympa et il est quand même ultra facile pour le moment pour vous d'arriver à ces étoiles pour tout le monde. En plus, les commandants sont donnés. Je pourrais bouger hein, mon Wafura, hein, mais la flemme, sachant que le boss, il est déjà mort. On va voir si pour le dernier niveau, Lilith a monté tout d'un cran. Est-ce que je suis au max? Je suis bien au max. On est bien, on est parfait. Je suis à une étoile, donc une étoile suffirait pour ce dernier point de contrôle. On va le faire. On va aller voir ça ensemble. Et il manque quand même une fonction pour accélérer. Hop là, voilà. Là, il faut que je me place. Donc du coup, là, je me fais pas carotte. Et tout de suite, j'amène mon martel. Je me fais pas carotte. J'amène mon Guan. Là, je mets tout de suite mon Wafura. Et là, je mets tout de suite mon KO. Là, cette fois, ils vont pas me carotte. Hein, et c'est parti. Là, je suis bien. Je suis au milieu de la porte. Je suis devant sur ce côté-là. Donc là, c'est mort. En théorie, je peux plus me faire carotte. Je suis bien. Je suis...
Nickel. Et je me demande même si je mettrais pas mon Cao Cao ici. Parce que comme les troupes arrivent là, il pourrait même aller soutenir. Ouais, il pourrait aller soutenir en cas de nécessité. Il pourrait aller soutenir notre ami Richard. Mais Richard a l'air d'être solide et de bien tenir le coup là. Voilà, continue d'attaquer, continue de bien les défoncer. On est bien là, pour le moment ça tient. On est déjà à la vague 2. Je pense qu'on va avoir un petit... Voyez, si on pouvait accélérer, hein, ça serait quand même plus sympa. Richard, il a quand même mangé un petit peu ses dents. Est-ce que... Kao, il est pas très costaud. Est-ce qu'il peut toucher là? Regardez, je pourrais. Ouais, il peut la toucher. Donc c'est parfait, vas-y. Shoot là, comme ça on va aider Kao. Parce qu'il est quand même en train de se faire un petit peu déboîter, notre ami Kao. Sachant que je n'ai pas besoin que ça aille au nord. Il faudrait que je déplace Wafoua, regardez. Je vais le déplacer, repasse en tour. Je vais le déplacer un petit peu. Tu vas te mettre là et voilà. Et là, c'est mieux et je vais pouvoir mieux combattre pour aider KO et pas me faire défoncer. Là, ça attaque à la tour et il attaque pas. Hein. Il me saoule à pas y aller. Hein. Donc, de ce côté-là, on a Richard qui est tout seul. Enfin, qui est pas vraiment tout seul. Ouais, il est en train de manger ses dents quand même, hein, notre pote Richard. Est-ce qu'il va réussir à tenir? Allez, je vais aller l'aider avec KO. Et vous avez vu, on a le boss qui a annoncé, qui arrive. Au passage, j'aide tranquillement. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va tenir? On va voir tout de suite. Il faut que j'amène mon autre troupe, car il ne reste plus que le boss. Richard, en tout cas, il s'est bien fait défoncer. On va reculer un peu et on va essayer. Alors, la formation carrée, c'est quand même celle qui est préconisée. Voilà, donc on va aller sur le boss là, tout de suite. Comme ça, voilà le parachute. Bon, au final, vous voyez, quand on arrive là, il faudra que je puisse accélérer. On est en train de finir l'event tranquillement. Vous l'avez vu, il est sympa. À mon avis, voilà, l'event, il est sympa. Il est sans surprise, il est facile. Bon, si vous ratez comme j'ai failli le faire tout à l'heure en vous laissant surprendre, bon, pas de précipitation, on peut recommencer et avoir toutes les étoiles, les 18 étoiles et donc deux sculptures en or. C'est vraiment un cadeau de la part de Lilith. Et est-ce que ça nous aide à nous servir de les formations? Je ne trouve pas trop. Je trouve que le jeu, il a pas assez l'event, il est pas assez spécifique et il nous permet pas de switcher entre plus de formations. C'est ce qu'ils auraient dû faire. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis, et je vous dis à plus sur Rock.